les communes de la République. Aujourd'hui, certains cadres sont rentrés, comme celui qui était à Manyana. Et là, Jamsdin a visité toutes les sous-préfectures de Manyana et a participé à l'élaboration des listes UFDG dans toutes les communes de Manyana. Et je vous prie de me croire que l'UFDG sera surpris de notre présence dans cette région, mais surtout des victoires que nous allons remporter. En région forestière, Bano est actuellement à Zérékoré, à l'heure où qu'il est un meeting géant se tient à Zérékoré, meeting du FDG, où il y a eu beaucoup d'adhésions dans notre parti et partout, dans toutes les sous-préfectures, sauf à Womé, les listes sont déjà établies et à Womé, on espère qu'elle le sera dans les heures qui viennent. Alors là, il n'y a pas une seule sous-préfecture que les délégations de l'UFDG n'ont pas visité. Et partout, des listes sont établies. Nous serons candidats et nous allons gagner. Alors, aujourd'hui, naturellement, il y a beaucoup de problèmes dans l'établissement des listes pour un grand parti. Tout le monde veut participer au combat, être conseiller communal et parfois même, c'est légitime. C'est lorsqu'il n'y a pas de candidat qu'on est gêné. Aujourd'hui, la lutte qui s'est passée à Balandoukouba, à Kélakoro, à Koundiam, à Kinyera, pour les listes du FDG, il fallait être là. On était fiers. Tout le monde voulait être dans la liste de l'UFDG. Et imaginez-vous à Ratoma, à Matoto, à Dixin, à Kaloum, à Madame. On a des problèmes d'arbitrage. Mais il faut se réjouir des cadres qui ont la légitimité, qui ont la compétence, qui ont la volonté de participer à ce combat. Et ils veulent être conseillers, ils veulent être maires. C'est légitime. Mais à un moment donné, il faut que la discipline prévale. Nous sommes un grand parti, ce sera le consensus. On a réussi à faire un peu partout le consensus. Il reste quelques communes urbaines, mais là aussi, les gens vont être surpris parce qu'il y aura un consensus. Un grand parti, c'est un parti au sein duquel règne la discipline. C'est une étape intermédiaire importante, dont tout le monde est conscient de l'importance. Mais l'objectif, vous le savez, c'est 2020, l'UFDG à Sékou-Touré-Yar. Pas à Sékou-Touré-Yar pour détourner l'argent public, faire des voyages interminables, pour construire la Guinée, réconcilier les Guinéens, assurer l'égalité des citoyens devant la loi et devant les biens communs, promouvoir la démocratie, l'état de droit et la fraternité entre les citoyens. C'est un chantier important qui va requérir que le président soit là, qu'il soit à Youm, à Kissidougou, à Zérékoré, à Boké, à Koundara, à Koubia, pour écouter les Guinéens et formuler et mettre en œuvre des politiques susceptibles de répondre à leurs attentes. Tuer la haine et l'exclusion. Sensibiliser, réconcilier, ça requiert la présence de votre président de la République, celui que vous allez élire, et sera là à côté du peuple pour écouter et pour prendre les décisions qui conviennent pour que la Guinée soit bonne à vivre pour tous les Guinéens. Mais vous connaissez l'importance de ces élections locales. Il faut qu'on soit mobilisé, il faut que les gens votent et qu'ils sécurisent. Nous voulons les 5 communes. Peut-être qu'on n'aura que 4. Mais nous voulons les 5. Il faut qu'on se mobilise pour les 5.
l'UFDG a la capacité de l'emporter. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Il est complètement à terre auprès de notre peuple, en proie à des difficultés sans précédent. Beaucoup ne mangent pas à leur faim. On n'arrive pas à se déplacer. Les Guinéens ont compris que M. Alpha Condé n'est pas à la hauteur de cette fonction. Il y avait des gens qui doutaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Et vous allez voir, les Guinéens vont le sanctionner sévèrement pendant ces élections locales. Levez-vous pour qu'ensemble, nous le sanctionnons, pour que nous montrions que nous ne sommes pas d'accord avec les politiques qui sont menées, avec les pratiques de ce gouvernement corrompu. Et qui n'a aucun souci de l'instauration de la démocratie, de l'état de droit, et surtout de la misère dans laquelle croupit la majorité des Guinéens, alors que les gouvernements s'enrichissent, se promènent dans des avions, acquièrent des propriétés, détruisent l'argent public. Le peuple souffre. Ça n'a aucun sens de solidarité avec ce peuple. Levons-nous pour les sanctionner. Le peuple est prêt. Il faut simplement que nous votions et que nous sécurisions. Vous aurez les résultats. Je pense qu'il va tirer les leçons et renoncer définitivement à ce troisième mandat. Alors, c'est à nous. L'UFDG, vous savez qu'aujourd'hui, Monsieur Alpha Condé a l'objectif de museler la presse, de neutraliser la société civile et le